sur le côté droit avec la percussion et attention au centre en retrait, ça a été bien coupé. Oui, ça y est, il le lance dans la profondeur, c'est bien joué. Et l'entrée dans la surface, il va pouvoir frapper. L'intervention, ouais, il est allé un peu sans palier dessus, hein, on a l'impression. Et attention, parce que là, il y a une nouvelle percussion avec Walid Nassi sur le côté. Le centre qui va passer devant, un peu trop puissant malheureusement ce centre. Ouais, exactement. Et attention à Goumont qui déborde à nouveau. Garita qui passe par devant, où je croyais qu'il allait parvenir à se retourner. Voici ce corner, il est bien tiré, il arrive dans la surface et ça passe juste au-dessus, cette tête. Oh, attention à ce ballon plein axe de Geoffrey Karchi, la frappe à venir qui va fuir le cadre. Nouvelle belle occasion de la part de Montiel, et on va pouvoir revenir sur le côté, il y a de l'espace et il y a l'espace pour ajuster un centre. Le voici, le centre, elle est coupée cette tête et elle est parfaitement captée, elle est prise un peu tête-épaule, hein, ouais, cette balle. Là, elle n'est pas partie du tout, heureusement pour les Briochins parce qu'il était en position idéale. Avec ce déboulé dans le couloir, Iropi qui va frapper sur la barre transversale. Quelle frappe. Romain Montiel, et non, on va en rester là. Sur cette première période, 0-0 entre le Stade Briochin et Bourg-Péronas. Vers Amadale qui arrive à ouvrir, vers James Lemarreur. Et le ballon dans la profondeur vers Valentin Lavigne qui va se retourner, frapper. Et voilà l'occasion pour Saint-Brieuc. Ce ballon qui revient et la tête qui va filer. C'est quand même une équipe intéressante. Donc. Ouais, attention, il va passer à Madalé. Il va revenir, remettre ce ballon. Oh, c'est enroulé. C'est contrôlé par le portier Bressan. Ballon, allez, le ballon dans la profondeur. Le voici, ce bon ballon. Oh, il y a pénalty. Et il y a pénalty. Ah bah non. Non, il s'est bloqué. Ah, bah alors, on s'est fait avoir. Ah, ça, le joueur 2, on en a parlé en première mi-temps. Exactement. Bien frappé. Oh, la bonne tête qui va fuir le cadre. Qui est capable de... Oh, il se balance dans la profondeur. Il est parfait. Est-ce qu'il va parvenir à s'imposer? Non. Par Emeric Gomis, est-ce qu'il va être mis sur le côté? Oui, parfaitement. Avec James Lemarreur qui va monter dans le couloir. Elle a été décournée, c'est pas fini. Oh, c'est sifflé, c'est pas fini. Et ça fait but. Oh, il a accordé. Allez, et ça fait but pour le Stade Briochin. Sur ce ballon, il y a eu un moment de flottement. Et l'ambiance qui monte ici à Fred Aubert, parce que on va en rester là sur la victoire du Stade Briochin devant Bourg-Péronas, 1-0.